Kété, village ébrié de la commune de Yopougon. Ce samedi 6 janvier, les habitants sont en colère. Ils sont révoltés contre la circulation de drogue dans leur cité. La drogue gâte nos enfants. Et aujourd'hui, là, vous êtes sans ignorer qu'il y a même un drogué qui a tué sa maman. Donc aujourd'hui, les villageois se sont levés et nous sommes en train de détruire tout ce qui est ni de drogués à Yopougon-Kouté. Nous sommes fatigués. La population de Yopougon-Kouté est fatiguée. Le village est fatigué. Donc désormais, nous sommes à zéro tolérance contre la drogue à Yopougon-Kouté. Pour mener cette guerre de la drogue et sur instruction de la chefferie traditionnelle, des équipes anti-drogue ont été mises sur pied, constituées des bras valides. Elle patrouille dans tout le territoire de ce village. Rien n'est négligé. On passe tout au peigne fin. Les pistes suspectées d'être des passages de dealers sont inspectées. Fouillez tous les sachets qui sont là. Tous ces rouleurs de moto mécaniciens. Enfouillez vos bras. Fouillez-les. Fouillez, ouvrez tous les sachets là. Il faut ouvrir ton châssis là. Et ouvre ton sac là. C'est toi-même tu ouvres et puis tu fouilles. Puis tu montres. Ok. Non, fais ce qu'il y a dedans. Fais ce qu'il y a dedans. Il y a vu quelque chose. Tout ce monde là, c'est eux qui transportent la drogue dans ces motos là. Ouais, deux à deux là. Bon, maintenant, après tu mets tout ça, siège là. Et devant. C'est anti-drogue. Et devant. Ouais, je sais que t'as fait pas ça. Ok, mais là, il faut ouvrir ça. Non, comme c'est le travail. Bon, je trouve ça bien levé. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays actuellement. Moi ici j'ai tout ça bien, c'est bien. En tout cas moi, ce que moi je veux, je cherche qu'on les arrête tous. Parce que c'est pas normal ce qu'ils font. Donc arrêter de faire la transition. Ça fait que non, drogue, nous on pense que nous tous on a besoin. On va te donner le travail, tout ce c'est le travail. Si tu travailles, tu vas avoir ton pain à manger. Donc vendre de la drogue, fumer là, c'est pas bon. L'initiative est applaudie par des habitantes. Enfant tu as fait et puis il va te donner manger et puis il va prendre drogue, fumer. Vraiment on n'est pas content de ça. On n'est pas content. Mais s'ils peuvent faire et puis ils vont changer, c'est ce qu'on cherche. Je suis pour même. Il faut que ça aille jusqu'à ce que tous les jeunes qui sont dans la drogue là soient vraiment, vraiment, vraiment déguerpis de ce village. Nous sommes fatigués de ce fléau. Très fatigués même. Ce n'est pas normal. Un village qui est paisible. Et puis tous ces conneries là, vraiment, franchement. Ça fait mal au cœur, c'est révoltant. Mais tous n'approuvent pas les méthodes employées. C'est le cas de ce tenancier de kiosque à café. Suspecté de vendre de la drogue, il voit son commerce être en partie détruit. Je ne suis pas vendeur de drogue. J'ai fait un coin en bas là-bas, parce que où je vends café, ce n'est pas ici, en bas là-bas. Là. Et vendre drogue, mon coin, ce n'est pas trop loin. Et viens manger chez moi, c'est tout. Moi, je ne suis pas un vendeur de drogue. Je suis 14 ans, je suis à côté ici. Il n'y a pas l'homme qui ne me connaît pas ici. Moi, je suis pas un vendeur de... Où on dit drogue là, je ne connais même pas même. Voilà. Où ici là, il n'y a pas l'homme qui me... Si tu as rendu à côté, si tu as dit yaya là, il n'y a pas l'homme qui ne me connaît pas. Je ne suis pas un vendeur de drogue. Tout le monde me connaît. Et ça, j'ai demandé pardon et débris pour me nourrir mes familles. Voyons mon casser, moi, je ne suis pas vendeur de drogue. En notre présence, aucune découverte n'est faite. Mais dans des éléments filmés plus tôt dans la matinée, l'opération contre la drogue a donné des résultats. Des sites répertoriés comme des fumoirs ont été détruits. De la drogue a également été découverte. Initiatrice de cette révolte, la chefferie traditionnelle de Yopougon-Kouté joue la carte de la fermeté. Nous avons interpellé les parents. Un enfant qui sera pris, nous allons le mettre à la disposition des autorités. Il y a des décisions qui ont été prises dans le village. Des grandes décisions ont été prises. Il y a des jeunes qui ont été bannis de ce village. Définitivement. Des jeunes dealers qui ont des motos qui font des livraisons. Nous les avons bannis définitivement de ce village. Ils ne feront plus partie de leur génération. Ils ne feront plus partie de leur famille. Et ils ne seront plus jamais enterrés dans ce village. Ça, ce sont les décisions que nous avons prises. Parce que nous avons marre de ce qui se passe. Les parents en ont marre, le village en a marre, la chefferie en a marre. Contre ce fléau, Yopougon-Kouté est déterminé à mettre toute son énergie
On annonce que la guerre contre la drogue ne se limitera pas à cette seule journée. Dans le village, la vigilance est demandée à tous.